4, 3, 2. Aimer le cinéma, mais que savez-vous sur leur création? Qui sont les personnes qui font un film? Quelles sont leurs méthodes de travail? Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tenter de répondre à ces questions plein feu sur les métiers de l'ombre. Assistant réalisateur, accessoiriste, étalonneur, nous allons en apprendre plus sur trois métiers méconnus du cinéma et sur leur rôle dans un film. Nous commencerons tout d'abord par le métier d'assistant réalisateur avec comme invité Philippe Baumet, puis ce sera le métier d'accessoiriste introduit par Christelle Babonneau. Nous finirons ce direct par le métier d'étalonneur présenté par Baptiste Noyer. On vous annonce que vous pouvez réagir en direct sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à poser vos questions puisqu'à la fin de l'émission, une question sera retenue et elle sera posée à nos invités. Mais en attendant, passons à notre premier invité. Je vous prie d'accueillir Philippe Baumet. Bonjour Philippe. Philippe, vous êtes donc assistant réalisateur et vous avez travaillé sur plusieurs métrages tels que Disparu ou encore Garonne. Vous êtes également intervenant auprès des premières années de l'ARFIS. Depuis maintenant 4 ans, on va rapidement en savoir plus sur vous. Mais d'abord, je vous propose de visionner un micro-trottoir qui a été tourné par les étudiants pour voir si oui ou non, les gens connaissent réellement votre métier, celui d'assistant réalisateur. J'ai pas vraiment d'idée, mais bon, à mon avis, il l'assiste sur pas mal de tâches. Je sais pas trop en quoi ça consiste, non. J'en ai plus d'idée. Pour moi, l'assistant réalisateur va aider vraiment à alléger les tâches du réalisateur sur des tâches absolument principales ou secondaires. Il prépare la scène d'après. Il assiste un petit peu sur la réalisation du plateau. Il aide un peu le réalisateur à coordonner ce qui se passe sur le plateau, la mise en scène, voilà, ce qui va pas. Il l'aide, il lui fait plein de suggestions, etc. C'est celui qui va décharger le plus souvent le travail. Si vous deviez leur répondre et leur expliquer à eux pour préciser un petit peu le métier. Eh bien, déjà, parlons... Où évoluent les assistants réalisateurs? Principalement sur des fictions que l'on trouve dans des films cinéma, des téléfilms ou des séries, comme vous avez énoncé tout à l'heure, Garonne est disparu. Donc pour faire ces séries ou ces téléfilms, on a besoin d'un scénario à la base, de moyens techniques, c'est-à-dire le matériel de prise de vue, des décors, des véhicules, et aussi des moyens humains, des techniciens spécialisés dans tous les domaines, et aussi des comédiens, des figurants. Et on confie donc ce projet artistique à un réalisateur, une réalisatrice. Et donc, on a besoin d'un assistant pour l'aider à permettre d'avoir le maximum de plans chaque jour pour pouvoir faire le meilleur film possible. Donc, c'est énormément de préparation, que ça soit matériel, humain. Il faut préparer tout ça, anticiper. Comment est-ce que vous arrivez à vous rappeler de tout, à anticiper tout ça? La mémoire, ça s'exerce, c'est toujours pareil. C'est un exercice. Il faut d'abord connaître parfaitement le scénario. Il faut savoir qu'un scénario, déjà, est découpé en plusieurs séquences. On va dire que pour un film d'une heure trente, on doit avoir une centaine de séquences. Et que chaque séquence est un décor différent, peut-être des personnages différents. Et après, il faut vraiment intégrer ça parce que, évidemment, pour préparer ce planning, ce plan de travail, comme on appelle dans le jargon du métier, il faut pouvoir agencer ces séquences par journée pour pouvoir optimiser le temps. Et dans le jargon, vous utilisez notamment un board. On va essayer d'en projeter un à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous le commenter? Qu'est-ce que ça signifie? Là, c'est pour planifier votre travail. Alors, on voit des couleurs. Vous voyez, par exemple, là, on est la journée de tournage numéro 29, date au mercredi 25 février. Vous avez l'ordre des séquences dans lesquelles vont être tournées ces séquences dans la journée. Une première séquence, 34, qui se passe en intérieur-extérieur. Le décor, Maison Michel. Un petit résumé rapide pour savoir ce qui s'y passe. Vous voyez, les couleurs sont en fonction soit des effets intérieur-extérieur, soit des effets jour-nuit. Là, en l'occurrence, c'est surtout jour-nuit, voilà, nuit, jour. Et vous avez aussi une case qu'on connaît très peu en France, 2 sur 8, c'est le nombre de pages qui correspondent au scénario. Donc ça signifie que parfois, on est sur la même journée de tournage,
mais on va tourner une séquence qui correspond à différents moments du film. On est obligé de toute façon, on ne peut pas tourner dans l'ordre du scénario, on est obligé de regrouper par décor pour optimiser le temps, on ne va pas se déplacer dans la journée sur plusieurs décors, donc il faut forcément regrouper déjà par décor, et après on optimise par les présences des comédiens par exemple. Justement, les comédiens, ça signifie qu'ils doivent s'adapter. Si par exemple au début de la journée, ils doivent jouer une scène qui est triste en début de journée, et l'après-midi, qui correspond à la fin du film, tourner une séquence où ils perdent un proche, il faut s'adapter. C'est vrai que c'est pas un cadeau pour un comédien quand un assistant met ce genre de séquence en début de journée et en fin de journée, dans deux émotions complètement différentes. On essaie en général de préserver aussi les comédiens, de penser à eux. Idéalement, ils préféreraient tourner dans la chronologie. Mais... on aimerait effectivement pouvoir le faire, mais c'est très très compliqué. Ou alors, il faut que le scénario soit un huis clos, par exemple, et à ce moment-là, on peut peut-être envisager de le faire. À propos des acteurs, parlons maintenant du tournage d'un film. On va passer à l'écran un élève de 3e année de l'ARFIS qui endosse le rôle d'assistant réalisateur sur un tournage. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il fait et quel est le rôle d'assistant réal pendant le tournage? Alors là, vous voyez, il est plutôt dans l'observation, la concentration. Donc c'est la fille qu'on voit là. C'est la fille, oui, d'accord. Effectivement. Qui est-ce que c'est? Expliquez-nous quelle est la personne. C'est le monsieur là? Moi, j'aurais pensé que c'était plutôt Adrien, mais en tout cas, si c'est Adrien. C'est Adrien, apparemment. C'est le moustachu. Effectivement, il est plutôt très observateur. Il regarde, est concentré. Il communique beaucoup à ses assistants ou à l'équipe technique. On le sent un petit peu stressé quand même. Hein. C'est votre cas, vous ? C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Il faut savoir que c'est un vrai marathon, une journée de tournage. On n'a pas le droit de dépasser la fin de la journée. On a une heure précise. Parce qu'après, ça entraîne des coûts de production énormes. Après, ça entraîne effectivement des heures supplémentaires qui sont excessivement chères. Donc, on est toujours très stressé de voir finir la journée à l'heure. Donc là... Voilà, il communique beaucoup. C'est un métier de communication. Il faut vraiment énormément parler avec tout le monde. Il faut rassurer. Je trouve qu'il a une très bonne attitude. Il est plutôt rassurant. Il est posé. C'est vrai que voilà, c'est plutôt... Il va travailler avec qui, du coup? Les équipes techniques et aussi artistiques. C'est le lien, l'intermédiaire entre tout le monde. On doit, de toute façon, communiquer avec toute l'équipe. On doit leur expliquer ce qu'on va faire dans la journée. Il faut que chacun sache effectivement où est-ce qu'il va être sa place, qu'est-ce qui va se passer. On est dans l'anticipation en permanence. Il faut toujours pouvoir effectivement que tout le monde soit au courant de ce qui va se passer pour accélérer et pour ne pas perdre de temps. Et parfois, il peut y avoir des problèmes. Quelles sont les difficultés types que vous arrivez à rencontrer parfois? Le problème, c'est qu'on a beau être parano, on a beau être anticipé, etc. On a toujours des imprévus. Des fois c'est très compliqué à gérer. On peut avoir par exemple tout d'un coup une tempête ou alors on a un brouillard qui va rester pendant 3 heures, on ne peut pas tourner, on est obligé d'attendre, on ne peut rien faire. Donc ça, c'est vraiment... Et là ça décale tout votre board? Non, c'est carrément dans une journée. Vous vous retrouvez à ne pas pouvoir finir la journée. Et quand vous avez un comédien qui vous dit « Moi, il faut qu'à 13 heures, je parte à Paris parce que j'ai le test ce soir », ça, c'est très compliqué à gérer. Et surtout qu'on doit faire des cascades derrière. Donc, c'est vrai que ça, c'est un peu compliqué. Donc, il faut retrouver une autre... Non, on a attendu et tout d'un coup, on a fait une opération coup de poing et on a fait moins de plans que prévu. Le réalisateur n'était pas satisfait. Mais on a pu sauver la journée comme ça, voilà. C'est toujours très compliqué. Et à l'inverse, vous pouvez avoir des bonnes surprises où vous vous retrouvez à avoir beaucoup d'avance dans une journée, donc vous êtes tout content. Et là, vous essayez de caler une autre séquence que vous auriez pu faire un jour suivant. Et vous choisissez avec le réalisateur une séquence. Et puis vous dites, c'est bon, super, on va prendre de l'avance, c'est merveilleux. Donc ça, c'est votre travail avec le réalisateur et avec la script. Comment ça se passe, votre relation? Bien, la script, elle est en charge de la cohérence du film, donc on travaille avec elle pour voir ce qu'on peut faire pour améliorer. Surtout aussi avec les mouvements de figuration, parce que d'un plan à l'autre, on peut avoir des figurants qui ne sont pas la même. On voit d'ailleurs la script apparaître à l'écran. Oui. C'est avec elle que vous travaillez, c'est votre quotidien? Alors elle, là, vous voyez, elle est en train de minuter un petit peu le plan qui est en train de se tourner pour vérifier si on est dans le timing, puisqu'elle a fait son premier minutage. Elle est très attentive aussi au dialogue des comédiens. Elle doit être très posée. Très concentrée surtout. Très très concentrée. Je vous remercie Philippe de nous avoir éclairé sur votre métier d'assistant réalisateur. Pour la suite, je vous propose de rester avec nous. On va maintenant accueillir notre second invité pour parler d'un métier sans lequel les films n'auraient pas la même saveur. Il est en effet impossible d'imaginer Harry Potter sans sa baguette magique ou encore Jack Nicholson sans sa hache dans Shining. Mesdames et messieurs, je vous propose d'accueillir notre accessoiriste Christelle Babonneau.
Christelle, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes accessoiriste sur plusieurs séries telles que Les Impatients ou encore Famille d'accueil, mais vous êtes aussi intervenante à l'ARFIS auprès des deuxièmes années. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler dans le cinéma et d'où vient cette passion en fait, pour les accessoires ? Alors en fait, c'est une succession de rencontres, un concours de circonstances, parce qu'à la base, j'ai une formation de commerciale et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout, après plusieurs années dans le secteur bancaire, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que je voulais faire. Et à la base, moi, je voulais faire de la déco, de la décoration, mais plus décoration d'intérieur. Et j'ai fait une formation d'étalagiste pour faire en fait les vitrines. Et puis, avec diverses rencontres, je me suis retrouvée en fait stagiaire accessoiriste sur une série de 3 fois 90 minutes. Et c'est comme ça que j'ai découvert... De la décoration, vous êtes passée aux accessoires alors. Ben, disons que non, finalement oui. Oui et non, je ne savais pas ce que c'était que le métier d'accessoiriste et je l'ai découvert sur cette série où la décoratrice, quand elle m'a choisie, elle a dit, bon, ben voilà, c'est elle que je mettrais comme stagiaire accessoiriste puisque c'était une série sur laquelle il y avait un stagiaire par poste. Et justement, il y a d'autres personnes qui ne sont pas forcément au courant de votre métier. Les étudiants de l'ARFIS sont allés dans la rue poser la question aux passants, savoir est-ce qu'ils connaissaient votre métier, regardez les réponses. Il aide à habiller les personnes, à les mettre en valeur. Pour moi, l'accessoiriste a pour rôle de donner à chaque acteur les éléments qu'il est censé utiliser pour la scène. Je pense que c'est les personnes qui organisent le décor, en fait, qui trouvent les accessoires pour que le décor soit fidèle au script. C'est la personne qui s'occupe de fournir au tournage tous les accessoires qui sont nécessaires pour pouvoir tourner les scènes. L'accessoiriste cherche des accessoires, se préoccupe du fait que les accessoires soient ce qu'ils doivent être, peut-être, et puis peut-être qu'ils soient toujours les mêmes d'une scène à l'autre. Alors Christelle, qu'est-ce que vous avez pensé de ces réactions ? Alors il y a du bon et du mauvais. Donc la première personne, non, c'est pas du tout les costumes. Donc effectivement, l'accessoiriste, c'est celui qui est en charge des accessoires. Alors après, c'est un poste que chaque accessoiriste en fait occupe à sa manière. Il y a chacun a une méthode. Et vous, chacun a une méthode en fonction des accessoiristes. C'est pas forcément la même méthode de travail et de façon de faire. Si vous deviez définir votre méthode, vous, qu'est-ce que vous préférez faire? C'est pas ce que je préfère faire, c'est que je dirais que pour être accessoiriste, il y a des critères à avoir. Parce que c'est vrai que un accessoiriste, c'est quelqu'un qui a un camion avec plein d'outils. Et il faut être capable de... Et plein d'objets divers. Et c'est quelqu'un qui doit répondre en fait en direct aux réalisateurs et aux demandes de réalisateurs. Et parfois, alors normalement c'est préparé, mais parfois le réalisateur peut avoir des demandes de dernière minute et il faut pouvoir répondre aux réalisateurs. Et quels sont vos liens avec une personne comme Philippe, assistant réalisateur sur un tournage ? Comment est-ce que vous travaillez ensemble ? Déjà, pour moi, un accessoiriste, enfin pour un assistant, un accessoiriste, c'est quelqu'un qui fait partie à la fois de l'équipe décoration et à la fois aussi partie de l'équipe mise en scène. Parce qu'un accessoiriste est très proche des comédiens et nous aide énormément pour le jeu, pour le réalisateur a besoin de son accessoiriste. C'est souvent d'ailleurs des réalisateurs choisissent leur accessoiriste parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en lui. C'est quelqu'un qui est vraiment un poste clé sur un plateau. Et c'est vrai qu'on a vraiment une vraie complicité. On s'entraide en général quand on est sur un plateau parce que déjà on fait un travail d'équipe avant tout. Et vous êtes assez liés. On aimerait justement, pour aller plus loin, expliquer une scène de film composée de plusieurs accessoires pour voir avec vous si la plupart sont factices ou vraiment réels. On va regarder ensemble un extrait d'un film qui s'appelle La maîtresse du président pour que vous, Christelle et vous, Philippe, puissiez nous expliquer l'importance des accessoires dans un film.
Les médecins ont conclu à une mort naturelle. Ils n'avaient plus de raison de me garder. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Alors Christelle, on a vu beaucoup, beaucoup d'éléments dans cette séquence. Est-ce que vous pourriez nous commenter des choses que vous avez pu voir avec votre œil ? Alors il y a le journal, notamment, qui est quand même le plus voyant. Donc c'est un journal qu'on a dû faire fabriquer. En plus, comme c'est un film d'époque, on était obligé de le faire, puisque les journaux ont beaucoup évolué en fonction des années où ils sont sortis. Donc là, il y avait une recherche de documentation de journaux de cette époque. Là, on a pu reprendre des vrais titres de journaux, parce que la plupart du temps, sur les tournages, quand on fait du contemporain, on n'a pas le droit de reprendre les vrais titres. Donc il faut changer les titres, inventer des titres. Et en l'occurrence, ce journal, c'est vous qui l'avez créé, je crois. Et on a un original en coulisses, si on peut l'apporter sur le plateau. Ça nous permettra de le commenter ensemble. Alors, comment est-ce que vous en êtes arrivé à créer une pièce de ce type ? Déjà, donc, on a repris ce que je disais, le titre d'un journal qui existait à cette époque, puisque ça date quand même de 1899. Donc on est sur un vrai titre. On est sur un vrai titre de journal. Après, on avait le titre qui est ici, « Le président avait trop sacrifié à Vénus ». Ça, c'était quelque chose qui était dans le scénario. Après, on a fait la composition aussi avec le réalisateur qui voulait certaines choses, et notamment le portrait de Marguerite Stenel. Donc, il a été placé là volontairement parce que le réalisateur savait ce qu'il voulait voir sur l'article. Et après, faire la typographie, etc. Voilà. Donc, au niveau de la typographie, on a respecté la typographie de l'époque. Encore une fois. C'est beaucoup de travail, au final, pour un élément qu'on voit furtivement. Oui. Est-ce que vous avez un ordre d'idée de combien ça coûte de juste produire un petit journal comme ça ou pas du tout ? J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est un bon budget parce que là nous avons été obligés de passer par un imprimeur. Donc c'est pas de la photocopie, c'est après il y a de l'infographie, donc faut payer un infographiste pour le faire aussi. C'était un petit budget quand même. Merci Christelle de nous avoir éclairé sur ce métier d'accessoiriste. Je vous propose de rester tous les deux avec nous pour accueillir désormais notre dernière invitée, un métier qui intervient après le tournage et qui, sans vous en rendre compte, transforme complètement l'image. On accueille maintenant Baptiste Noyer. Bonjour Baptiste, vous avez l'air d'être content d'être là, ouais. C'est un plaisir. Vous êtes étalonneur pour certains films comme Misty Gris. Ouais. En deux mots, étalonneur, ça consiste à retoucher l'image en post-production pour créer des effets et créer une harmonie. Est-ce que c'est à peu près ça l'idée ? Exactement. En fait, ça, j'ai envie de dire que ça se fait en deux parties. Il y a une première partie, c'est une homogénéisation des images. Donc ça intervient après le montage. On homogénéise donc toutes les images en termes de luminosité, contraste, couleur, tout ça, pour qu'il y ait une homogénéité en termes d'esthétique, de style. Et puis ensuite, il y a une recherche d'effet de l'image, de style, de propre, vraiment au film en particulier. Je pense que le meilleur exemple, ce serait Matrix, par exemple, où quand ils sont dans la matrice, c'est tout très vert. Et quand ils sont dans le monde réel, c'est bleu métal. Il y a une vraie différence. Voilà.
Alors, ce qu'il faut savoir sur Baptiste, c'est qu'il était à l'école Arfis, c'était en 2012-2015, et vous êtes passé par la filière post-production tout d'abord. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est la post-prod pour le jargon ? Alors, la post-prod, c'est effectivement un métier de l'ombre. C'est tout le processus créatif qui intervient après le tournage. Ça va être une fois que les images ont été tournées et les sont pris, ça va être ceux qui s'occupent justement de monter le film. Donc ça, c'est les monteurs. Ensuite, il y a le montage son, il y a le mixage du son, le sound design, les effets spéciaux et l'étalonnage. Vous êtes vraiment à la toute fin de la chaîne. Moi, je suis vraiment quasiment à la toute fin avec ceux qui s'occupent du son, oui, tout à fait. Exactement. Et ce métier d'étalonneur, vous l'aviez déjà identifié pendant les études ? C'était votre objectif ou vous y êtes venu Pas du tout, non. Même, alors à la base, moi j'étais rentré à l'Arfis pour être réalisateur. au final, j'ai choisi la post-production parce que j'étais un peu tombé amoureux du montage. Et après, j'ai découvert l'étalonnage. Et en fait, c'est surtout en étant sorti de l'Arfis que j'ai beaucoup travaillé en tant qu'étalonneur. Et du coup, c'est un peu devenu ce que j'ai... Petit à petit, on y touche. Exactement, tout à fait. Alors, on a parlé de ce métier, mais est-ce que vous avez l'impression que le grand public connaît vraiment la profession ? J'imagine quand vous sortez en soirée, vous devez à chaque fois étalonneur, bonjour. Mais ouais, est-ce que les gens ils sont un peu au courant de ce que vous faites ? Quasiment jamais, je crois, vraiment. À part les gens du métier, personne ne sait ce que c'est. L'étalonnage. Alors encore une fois, on a joué à ce petit jeu d'aller demander aux gens dans la rue savoir est-ce qu'ils connaissent ce métier. Voici leur réaction, on les commente ensuite ensemble. Je n'avais jamais entendu ce terme dans les métiers du cinéma. Aucune notion, c'est le métier d'étalonneur. L'étalonneur, non, aucune idée. Alors le métier d'étalonneur, je ne sais pas ce que c'est. Non, je ne sais pas du tout ce que fait l'étalonneur. Je ne connais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que c'est le métier d'étalonneur. Alors, Baptiste, je vous vois sourire. Qu'est-ce qui vous a fait rire en écoutant les réactions ? Bah, je crois que ça illustre parfaitement justement l'exemple. Quand j'arrive en soirée et que je dis que je suis étalonneur, les gens ils font des gros yeux, ils ne savent pas du tout ce que c'est. donc voilà, ouais, c'est vrai que... Autant, effectivement, assistant réalisateur, il y a l'assistanat de la réalisation, accessoiriste, il y a les accessoires. C'est vrai qu'en général, l'assistant, on entend dire moteur, demander, couper, etc. Ouais, c'est ça. C'est un étalonneur, c'est plutôt effectivement un vrai travail de l'ombre. Ouais. Et puis, alors, il n'y a pas du tout de mots genre couleur dedans ou luminosité ou quoi que ce soit. Les gens, ils savent pas du tout ce que c'est. Et alors, si vous deviez répondre à ces personnes pour mieux les orienter, vous leur diriez quoi ? Eh ben, je leur dirais ce que je vous ai dit en arrivant sur le plateau. J'ai essayé de leur dire un peu toujours le même pitch. C'est j'homogénéise toutes les images pour avoir une homogénéité au niveau de la luminosité, des contrastes et des couleurs. Et après, je donne un style à l'image. Ça les fascine un peu de savoir que c'est dans le cinéma ou que vous avez touché à des films connus ou pas ? Alors, ça pourrait les fasciner si j'avais touché des films connus. C'est pas touché des films connus. Voilà. Mais oui, ouais. En général, ils aiment bien. Et donc, c'est un métier qui demande beaucoup d'exigences. Il faut être rigoureux parce qu'il faut à chaque fois être sur des petits détails, sur des petites nuances. Comment est-ce que vous pourriez définir, on voit quelques images qui passent, ça ressemble à votre quotidien, on est tout le temps le nez dans le clavier, dans les boutons. Alors en fait, l'intérêt de la console qu'on voit à l'image, c'est de justement pas avoir le nez dans son clavier. Quand on étalonne, on a vraiment les yeux rivés sur l'écran. Et on est en train de toucher comme ça, justement, ce qu'on appelle les boules et les molettes d'étalonnage. Et non, on essaie de rester fixe en regardant l'image et pour vraiment observer ce qu'on fait et modifier le style. Et là, par exemple, il a un calque sur la droite de l'image pour modifier uniquement la droite de l'image. Et quand on est tout le temps un petit peu dans une salle noire, rivé sur l'ordinateur, il faut prendre un peu de recul parfois. Est-ce que vous arrivez à lâcher un peu la pression ? Oui, alors c'est vrai que c'est très engageant physiquement au niveau des yeux, donc on ne peut pas passer des journées trop longues, parce que vraiment après ça devient très lourd au niveau de la vision. Donc effectivement, oui, il faut avoir des petits moments de pause, pas toujours faire ça. Voilà. Pour mieux comprendre l'étendue de votre travail, nous allons voir à l'écran deux photos qui sont les mêmes, mais l'une n'est pas étalonnée et l'autre, oui, c'est celle de droite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les étapes qui se sont suivies pour arriver à la photo de droite ? Alors, donc, effectivement, la photo de gauche, on est parti de là. Ça a été tourné avec une caméra Sony FS5. Si je ne dis pas de bêtises, je vais peut-être dire une bêtise. Et donc, pour arriver à la photo de droite, on a assombri l'image, on a mis un masque sur les bords, droit et gauche, pour assombrir encore plus.
On a touché la couleur de sa peau. On a mis une fenêtre en haut qui descend un peu en biais pour faire en sorte que la lumière arrive en haut. J'ai retouché indépendamment la couleur de ses lèvres, la couleur de l'oreiller, enfin du coussin, la couleur de son pull. J'ai mis un masque sous ses yeux et je ne sais plus quoi. Et après, on l'applique sur toute une séquence. Et quand on change de plan, il faut tout refaire, quoi. Alors là, ouais, j'ai un peu tout mélangé, j'avoue. Le côté sombre et vraiment la couleur rouge, ça, on va essayer de le tenir sur toute la séquence, cette séquence-là. Tous les petits masques que j'ai dit, les lèvres, le coussin, tout ça, ça, c'est ce plan-là spécifiquement. Merci beaucoup à tous les trois pour vos explications, mais vous restez encore un petit peu. On va parler de la question web. En début d'émission, on vous annonçait que vous pouviez réagir en direct sur nos réseaux sociaux et poser vos questions à vos invités. La question est remontée et c'est la suivante. Selon vous, de nouveaux métiers sont-ils voués à disparaître dans le milieu du cinéma ? À apparaître, pardon. Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître ? Apparaître probablement. On n'a jamais fait autant d'images qu'aujourd'hui parce qu'il y a énormément de supports, que ce soit le web, que ce soit des chaînes de différentes thématiques ciblées, spécialisées. Donc forcément, il y a énormément de métiers qui vont apparaître, plus liés probablement au web. Alors là, vraiment, je ne saurais pas vraiment quoi. Après, il y en a peut-être qui vont disparaître aussi parce qu'avec les nouvelles techniques, parfois le. Est-ce que vous, chez vous, par exemple, il peut y avoir des logiciels qui vont tout faire à votre place ou est-ce que vous pensez que l'œil humain va rester indispensable ? Ah bah, c'est une excellente question, ça. Il y a effectivement des logiciels qui commencent à tout faire à notre place, oui. Ça existe, des logiciels qui montent automatiquement des clips, par exemple. Synchroniser les images entre elles. Oui, c'est ça. Des images qui sont modifiées automatiquement par une intelligence artificielle, en termes de couleurs, justement, de l'étalonnage. Déjà, moi, je fais face aux luttes. Les luttes, c'est des effets qui sont auto-appliqués sur tout un montage. Donc, mais bon, à la lutte, il faut encore l'appliquer, la modifier un peu plan par plan. Mais oui, je pense qu'effectivement, il y a des métiers qui sont voués à... Non, apparaître. Bah là, en l'occurrence, on espère que le vôtre va continuer à perdurer. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau et d'avoir répondu à la question web. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette émission. On se donne rendez-vous demain à 11h, samedi 14 mars, pour un nouveau direct consacré cette fois à la direction d'acteurs.